Et yo les Faptos, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va partir sur Gmod et on repart sur MSS Click, on repart avec Nino, on repart avec Zertek, puisqu'il va y avoir le retour de Turner, il va re-rencontrer Nino, on va voir comment Nino va le prendre. En tout cas les Faptos, si vous kiffez les épisodes, tu engages comme d'habitude un maximum de likes et n'hésitez pas à aller dans la description, il y a plein d'infos, let's go. Ouais, allô? Allô Turner, c'est Quentin, ça va ou quoi? Ah, ça fait longtemps toi! Et toi, ça fait longtemps que tu réponds plus et que tu veux plus venir, donc je t'appelle pour savoir si tu étais en ville et si tu voulais venir faire un coup avec nous aujourd'hui. Bah écoute, attends bien, je suis en ville, ouais, j'avais beaucoup à faire chez moi, dans ma ville, ouais. Ces temps-ci, c'est pour ça. Mais ouais, okay, là, je suis okay. En ville justement, ouais, y'a pas de problème. Bah vas-y, rejoins-nous au concessionnaire, ok? J'appelle Nino. Ok, j'arrive de suite. Toujours si loin à répondre celui-là. Allô? Oui, allô? Oui? Nino, c'est Quentin, ça va ou quoi? Quentin, mais ça faisait longtemps là, hein, tu m'as pas rappelé là, tu veux pas qu'on fasse le troisième round là pour le petit jeu qu'on faisait de Nino Pellegrino non. Non, c'est pas aujourd'hui ça, plus tard dans la semaine, ben, peut-être la semaine prochaine, mais là je t'appelle pour une mission que t'adores, tu sais, c'est la mission où on doit s'incruster chez les gens, etc. Tu sais, tu as à gage. Oh, mission top secrète, oui, je exactement. Vois, je vois. Et si on doit où, dis-moi, pas besoin d'en dire plus. Au concessionnaire, du coup, tu me rejoins, tu nous rejoins. Ok, j'arrive. Il m'a raccroché au nez le con, bah ok. Yo Turner, ça vaut quoi? Ça va quoi? Ouais, nickel, nickel. Mais que Nino. Deux là? Non, non, y'a Nino qui va arriver. Y'a Nino qui est censé arriver là. Ah, ben voilà. Nino! Nino! Pas passer cette fois. Nino! 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 Ah, genre de question, alors là, il fait quoi encore? Là, t'es pas Nino. Prêt. Quoi? Nino, je t'ai vu, hein. Donc, tu viens travailler avec nous. Je sais qu'il y a Turner. T'es pas content de le revoir? La journée commençait plutôt bien, mais là, tu m'avais peut-être pas dit un truc. Ou voire même deux, voire même trois. Tu m'avais pas dit que lui serait là. Tu m'avais pas dit que sa grosse tête serait là. Et tu m'avais pas dit que le mec. J'aime pas, il serait là. Donc là, ça fait trois choses que j'aime pas beaucoup. Au final, ça en fait qu'une puisque il ne représente qu'une seule personne. Mais t'inquiète, il est pas venu depuis longtemps et il a l'air d'avoir un peu changé. Il a l'air cool, tu vois. Donc t'inquiète. On passe pas cette TV là. Ouais, bah, salut, Nino, ça va? Hein? Oh, quelqu'un me parle. Oh, il y a un arbre qui parle. Bonjour, oui. Et moi, Nino, le TV. Enfin, je suis pas vraiment TV, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Nino, stop. Écoutez-moi, la bonne idée, ça va être que vous vous entendiez bien, d'accord? Turner, ça fait longtemps que t'es pas venu. Tu sais que tu nous as manqué. On a besoin de toi aujourd'hui. Nino, tu sais très bien comment ça se passe avec Turner. À chaque fois, vous prenez la tête et ça se passe mal. Donc là, je demande à ce que ça se passe bien. Toi, t'arrêtes les pics sur Nino. Nino, t'arrêtes les pics sur Turner, ok? Mais moi, y a pas de problème, moi, en fait. C'est juste, tu m'as demandé de venir faire un coup. Je viens faire un coup, y a pas de problème. C'est juste que je pensais pas qu'on allait faire garderie, quoi. Je pensais que c'était un vrai coup, quoi, tu vois. Bah, c'est un vrai coup et il faut. Oui, mais moi, y a pas de problème, tu vois. Moi, tu m'as demandé de venir, tout ça. Okay. C'est juste que je savais pas que j'allais faire de la garderie, tu vois. De la quoi? De la garderie. Qu'est-ce que c'est de la garderie? C'est l'endroit où tu gardes le riz, non? Bon, on va passer aux choses sérieuses. Donc on va faire les contrats à 3. On va chacun en faire un, d'accord? Donc moi je vais en faire un, Turner va en faire un, et toi Nino tu vas en faire un, d'accord? Ne vous prenez pas la tête, d'accord? Merci. Non, t'inquiète pas, on s'entend bien maintenant. C'est pas de problème. Non, t'inquiète pas, j'entends bien maintenant. Y'a pas de problème. Nino, on n'est pas dans un Nino Pellegrino a dit là, donc tu répètes pas ses phrases. Mais c'est bon, je répète pas ses phrases. C'est lui qui dit les phrases avant que moi je les dise, c'est tout. Il a juste un temps d'avance, c'est bon. Bon, j'ai un contrat les enfants, ok? Alors on va le regarder ensemble. Alors, cible Polo Bricolo, ce dépanneur est un escroc, il m'a volé ma caisse et l'a cassée pour ensuite m'appeler, me demander de la récupérer, de payer les réparations. On doit tuer un dépanneur qui a cassé la voiture de quelqu'un et qui lui a demandé de réparer. Donc du coup, il faut le trouver, l'éliminer. Bon, du coup, on va essayer de trouver, le but ça va être de trouver le garagiste, ok? Vous, vous l'amenez dans un plan, dans un piège, je sais pas. Et moi, je vais le buter, ok? Ok. Mais ok. Et Nino, t'arrêtes de répéter tout ce que dit Turner. Bon, la dépanneuse, c'est ici. Je sais pas s'il est là. Hein. Vas-y, y'en a un de vous qui va voir s'il est là. Ah, j'aperçois quelqu'un là-bas au fond. Hé, hey, monsieur le dépanneur! On lui fait croire qu'on veut lui revendre la bonne. Monsieur la dépanneuse! Bonjour. Excusez-moi, on a une question. Eh, mais vous avez. Avant, j'ai deux questions en fait au final. Premièrement. Pourquoi votre tête ressemble à une claquette? Et deuxièmement, est-ce que vous rachetez les voitures? Non monsieur, moi je rachète pas les voitures monsieur, je les répare. Ah mais monsieur, ah ben faut la réparer la mienne du coup, faut la réparer, j'aimerais bien la revendre du coup. Pour pouvoir la revendre, faudrait que je la répare. Vous pouvez m'ouvrir? Non c'est parfait. Monsieur, oui, y a pas de problème monsieur. Faites attention, elle est neuve hein, presque. Juste accrocher un truc. Wow! Doucement là! Je fais vraiment n'importe quoi avec ma voiture. Oh doucement là, oh doucement, oh doucement, doucement avec ma voiture là, oh. Tu fais quoi là? Pas de ma faute monsieur. Ah mais tu fais quoi avec ma voiture? Mais comment ça c'est le camion là? Bah il part de travers monsieur. Monsieur vous avez complètement défoncé ma voiture. J'espère surtout que les frais vont être gratuits. J'espère que les frais vont être gratuits ouais. Pas grave, j'ai la réparer monsieur. La réparer là. On va voir, on va voir. Alors un pneu 1500 €, un capot 2500 et un pare-chocs 3500. Défoncer ta voiture, il veut te faire payer. Là. Comment ça 2500 un capot et un pneu? Non, je crois pas moi. Je crois que c'est gratuit mec. C'est le prix monsieur, c'est le prix. Comment ça c'est le
le prix. Mais c'est toi qui a explosé ma voiture. Non, moi j'ai pris comme ça, monsieur. Gros, c'est toi qui a explosé ma voiture, ok? Et je comprends comment tu fonctionnes avec tes clients là. Mets-toi contre la table, là. Mets-toi contre la roue, mets-toi contre la roue là, mets-toi contre la roue là. C'est toi qui a défoncé ma voiture. De deux, toi qui devras repayer les frais de réparation. D'ailleurs, t'as de la chance, tu l'as pas trop abîmé finalement. Mais sache que je ne suis pas là pour rien. Je suis là parce que ce coup-là, tu l'as déjà fait à plein de clients et il y en a un qui s'est plaint et qui m'a payé pour t'éliminer. Donc la prochaine fois, tu penseras à deux fois avant de changer des roues. Ok, c'est bon, on peut y aller. Ok, on peut y aller, on peut y aller. Mais c'est pas vrai, ça, mais c'est quoi? Allez, on peut y aller. Non, rien, on peut y aller, go. Ah, le mec, il a niqué ma voiture. Et en plus, il voulait me faire payer. Non, mais je rêve, quoi. Je vais partager la thune avec vous, c'était pas grand chose, hein. Ça vous fait 500 balles chacun. On va sortir un peu de la ville en attendant le deuxième contrat, ok? Je vais vous donner la thune en dehors du budget. Bon, je vais vous donner votre thune. Attends, il va où lui? Il va faire pipi peut-être. Pourquoi t'as tiré dans le vide comme ça? T'as tiré ailleurs que sur sa gueule. Vaut mieux, je pense. Tenez, c'est bon. 500, Nino, faut pas s'énerver, non? Ok, est-ce que vous êtes content? Attends, Quentin, vu qu'il est énervé. Oui, on est content. Tous les deux. Même lui, il est content vu qu'on est énervé. Enfin, que lui, il est énervé, pardon. Moi, je suis pas énervé. Et on est dans le deuxième contrat. Je peux faire un petit jeu avec lui? Tu veux faire quoi comme petit jeu avec lui? Écoute, mais attends, mais c'est un jeu. Ouais, tout petit, vraiment petit. C'est quoi ton petit jeu? Du coup, le jeu, il s'appelle crotte de nez. Ça veut dire que je te mets une crotte de nez dessus et après, tu de me convaincre aussi pour faire pareil, du coup, crotte de nez. Le bâtard. Non, non. Même jeu, ça s'appelle balle range de fusil, arme, viens voir. Range ton arme. Putain, range ton arme, y'a les filles qui viennent de passer. Y'a les filles qui viennent de passer. Bonjour. C'est armé, on vous a vu. Il est où le mec armé? Ah non, c'est pas moi, monsieur, qui suis armé. C'est... Putain, Terner, tu casses les couilles. Hein. Monsieur armé là. Juste avec son gamin là. On te lui ta licence d'arme, qu'on en parle. Juste avec son gamin là, et puis je me retrouve pointé par des flingues de tous les côtés là. C'est ça, exactement. Tu peux lâcher votre licence. Excusez-le, il est encore débutant. Okay. Bah tout est en ordre, monsieur. Hein. Bah merci. Mais merci beaucoup, hein, désolé. Pour le... désolé pour le dérangement. Non, mais y'a pas de problème, vous inquiétez pas, y'a pas de problème. Allez, on va faire un braquage. Allez, cadet, on va faire. La prochaine fois, Turner, tu sors ton arme en pleine rue, je retravaille plus jamais avec toi. Hein. Parce que ça va que t'avais une licence là, mais sinon, ils nous embarquaient pour rien, ok? Et votre jeu de crotte de nez, c'est terminé. Maintenant, on a le prochain contrat qui est là, donc on va le faire tout de suite là. Turner, vu que c'est toi qui vas accepter le contrat, regarde le contrat et dis-nous en plus, ok? Le contrat, c'est Florian Mito. J'ai commandé un colis sur Amazon avec la livraison sur 24 heures et je l'ai reçu 3 jours après. Il n'a pas voulu me rembourser, faites-lui payer ça. Wow! Ok, donc, okay. Ouais, bon, bah, j'aimerais pas être livreur, hein, apparemment, c'est assez strict. Apparemment, ouais, c'est un livreur UPS qu'on doit abattre. Il a pas livré en 24 heures, c'est ça? Donc accepte le contrat et n'oublie pas que tu dois le jumeler avant, ouais, d'accord? Allez. N'oublie pas que tu dois te servir tes jumelles avant de le tuer, sinon on ne touche pas l'argent, ok? Bon, maintenant que t'as accepté le contrat, on va pouvoir y aller, on va devoir chercher ce. Mais non, j'ai l'habitude. Nino, tu fais quoi là? Pourquoi tu fais des tractions là? Des squats, toi? Pourquoi tu fais des squats? Mais c'est moi, hein. Mais quoi? Mais c'est pas mon contrat, alors j'écoute pas, je fais ce que je veux, non? Bah non, tu dois nous écouter pour nous aider, non, en fait. Si tu veux toucher de le l'argent. Le contrat, il est sur ta tête et on l'a accepté. Non, c'est pas vrai, il ment. Mais par contre, si tu veux de l'argent, il va falloir que t'aies Turner, ok? Pas vrai, non. Mais l'aider, promis. Qu'on doit battre. Ok, on va aller l'occuper. Tu vas l'abattre du toit, ok? Ok, Turner, okay, on va aller voir ce qu'il fait. Bonjour. Excusez-moi, bonjour. Bonjour, oui. Vous aider? Oui, en fait, on cherche un livreur qui devait livrer en 24 heures et qui a livré en 72 heures. Oui, ben c'est possible, mais vous savez, moi j'ai beaucoup de boulot donc. Ah, bah je crois qu'il a pu livrer en 72 heures. Ce fut bref et intense. Ce fut bref et très intense, oui. Allons-y. Ce fut bref et intense, Turner. Go, on se dépêche là parce que je crois que j'ai aperçu les plis. Mais non, vas-y, très bon truc en tout cas. T'as pensé à le jumeler avant de l'abattre, hein? Yep. Ok, en tout cas, je suis fier de toi. Le deuxième contrat était rapide, fluide et efficace et ça fait Ah, ben j'ai bien appris maintenant. Mais ça va, attends, j'arrive pas, hein, tout le monde peut le faire aussi. Hein, oui. Ah, Nino, on va voir si tout le monde peut le faire, puisque ouais, le troisième contrat, tu sais, c'est toi qui vas, okay, le faire. Voilà, le troisième contrat, c'est toi qui vas le faire, donc on va voir. Ouais. Et attends, j'ai une idée. Est-ce que quand je verrai ma fille, avant de le tuer, je peux lui dire une phrase à la James Bond, un truc que je viens d'inventer? On dirait nique les systèmes, on prend les allocs. C'est bien, si non veux. Vas-y, si tu veux, avant de tuer la prochaine victime, tu gueuleras ça si ça peut te faire plaisir, ok? Ok. Nino, réveille-toi. Nino, réveille-toi, t'as de la chance en plus, tu vas kiffer ta mission. Tu vas kiffer ta mission, Nino. Quoi? Et pourquoi? Bah regarde, fais regarde ta tablette et regarde la mission, l'ordre de mission que t'as. Ah oui, ils ont fait. Oh, ils font une réduction sur le papier. Moins 50%, non, on devrait tout acheter. T'es, oh, t'es pas dans la bonne. T'es pas dans la bonne catégorie. Va dans agence TDP. Ce flic rôde trop souvent autour du tiercard et pose trop de questions. Faut lui faire comprendre qu'on rigole pas ici, donc faut le buter. Oh mais attends, mais je le connais lui. C'est lui qui m'a arrêté 4 fois la semaine dernière et tout ça dans la même journée. Oh, c'est pour moi. Et ben voilà, c'est pour toi. Faut que tu ailles le buter. Ah bah alors là, il va le payer lui. Nino, mais non. Nino, non. Attends, mais pose c'est ton pas arme. Vous. Non, bah alors déjà, calme-toi. Calme-toi, ok. Alors, on va aller le chercher, le flic là, ok, on va le buter. Mais faut que tu penses à deux choses, deux règles super importantes, ok, je te les répète parce que des fois t'oublies. Surtout, tu dois jumeler la personne, oui, avec tes jumelles, tu dois la regarder dans tes jumelles, la personne, avant de l'abattre, ok. Et une fois seulement que t'auras réussi à faire ça, tu, oui, pourras l'abattre, d'accord. Tu ne l'abats pas tant que tu n'as pas regardé avec tes jumelles.
Oui. Voilà, c'est tout. C'est la seule règle. Après, maintenant, faut le retrouver. Allez, go. Attends, mais le checker, c'est à côté. Mais pourquoi on se met pas là? On peut pas monter dans le bâtiment en haut directement? Là, ici, là, en face? Non, parce que là, il est trop petit. En plus, on va nous. La dernière fois que je suis monté, je peux t'assurer, j'ai passé une seule soirée. Donc, du coup, je vais plus monter là-bas. Tu veux monter sur quel bâtiment? Celui-là? Ben oui. Écoute, mon petit Turner. Bon, tu sais, je comprends que tu sois débutant. Laisse faire les pros. Et regarde comment je vais m'en sortir, d'accord? Allez, regarde bien. Parce que moi, j'ai pas le temps, tu vois. 30 années d'expérience. Et hop là. Mais attendez deux secondes. Je m'échauffe, hein. Ok. Et t'es quoi, on se retrouve en haut. Ok, c'est bon. Mais regarde, il n'arrive pas à monter. Mais alors, on a un problème de poids. Il faut arrêter la pizza, mon gros. On n'arrive pas à monter. Mais alors, on est trop gros, hein. Faut arrêter le maillot. Monté. Bon, alors, explique-nous, Nino, quel est ton plan? Parce que là, moi, je vois pas de figue à l'horizon. On n'y voit rien. Calme-toi, Turner. Bon, on n'y voit rien, là, Nino. Hein. Ouais, j'avoue que c'était peut-être pas le bon. On a calé sur le bâtiment d'en face, là-bas, d'accord? Quel bâtiment en face? Le grand blanc, là-bas, là? Et le blanc, là, là-bas. Oui, oui, oui. Ok, ok, vas-y, on y va. Ok, je trouve qu'on est mieux sur ce bâtiment là, Nino. Hein? Non, mais j'avais juste envie de changer de bâtiment. Parce... Non, c'est parce qu'on voit le Taco Bell et comme j'ai faim, bah si je mange pas, il faut juste que je vois de la nourriture et ça suffit. Mais bon, du coup, je vais chercher un peu. Hein. Tu te fous de ma gueule là. Vous pouvez pas m'aider à le trouver, s'il vous plaît aussi. Je sais que j'ai de l'expérience, mais vous devez. Y'a un apprendre, flic hein là, y'a un flic là, y'a un flic à la station essence. Est-ce que c'est lui ou pas? Y'a un flic au Taco Bell à la station ouais, essence. Ouais, mais on voit pas bien, hein. Il faut que je m'approche un peu. Hein. Voilà. C'est bon, je m'y connais un petit peu. Hein. Non, mais je le vois pas bien, hein. Juste encore un Nino tout petit peu. Nino! Nino! Ah, mais enfin débarrassé! C'était pas la réaction que j'attendais, Turner. Il va partir. Monsieur ah, l'hôpital! Non, pardon. Ah, y a le SAMU. Non! Y'a le SAMU. Vous pouvez le réanimer? Monsieur, vous l'avez mis dans l'ambulance? Ah, on a réanimé votre copain? Est-ce qu'il est parti à l'hôpital? Et au revoir. Oui. Il est sûrement parti à l'hôpital. Bon, Turner, faut qu'on aille à l'hosto, mais on peut dire au revoir à ce contrat là. Allez, vas-y. Sérieux, tu veux pas privilégier le contrat? C'est bon, Nino, on ira le voir plus tard, t'inquiète. Non, on prend pas un autre contrat, on va voir comment va Nino et on annule la mission, ok? J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il t'a assuré. Après l'hôpital, c'est lui qui va les payer sinon. Oh, t'inquiète, il va les payer tout seul. Ah, Nino, je t'avais dit quoi pour le bord? Son boss, oui, c'est bon, c'est bien là. Nino, je t'avais dit quoi pour les bords de l'immeuble? T'as vu la chute que t'as fait? Je sais pas, j'ai mal. Oui, t'as peut-être mal. En attendant, loupé, on a loupé quoi. Le contrat à cause de toi. Ouais, on a loupé le contrat à cause de toi. Non, non, moi je disais, il s'est loupé. Genre, il a raté son suicide, quoi. C'est dommage. Mais il s'est pas suicidé, il est tombé, il a pas fait exprès. Turner, t'es relou, hein. Bon, Nino, ça va mieux ou pas? Désolé, je vous connais pas. Maman m'a dit papa, il nous a connus. Comment ça, votre mère vous a dit? Le rite rouge. Oh, un bateau. Mais quoi? Mais il est complètement il con. Pêche il pêche sur un nuage. Mais what? Il est devenu encore plus con qu'il était. Ouais, bah là, on n'est pas sorti, je te le dis. Tu veux pas le laisser ici? Bah là, je vais le laisser ici, hein. Je vais pas le ramener. Il a tout oublié, c'est bon, il mènerait une vie tranquille. J'avoue, la prochaine fois, on lui fait croire qu'il était super fort et tout. Comme ça, il devient plus intelligent, tu vois. Bah ouais. Non, non. Eh, si j'ai plus là, ça qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me mord? Et là, ici? Si on appuie ici, là, ça fait mal, là. Bah allez, laisse-le, Turner, laisse-le. Qui fait ça? Turner, laisse-le. Il a complètement perdu la boule, laisse-le, j'espère qu'il ira. Non, mais... Ouais, mais ça m'embête de le laisser tout seul. Je le surveille, juste encore une heure ou deux, t'inquiète pas, c'est bon, ok, vas-y, bah, bonne si chance. Plus là, t'as mal. Je vous laisse tous les deux, du coup. Faites attention, hein.